Si vous tombez sur la vidéo, ça, ça veut dire qu'on va vous chercher. Bon, on pas besoin de quitter les gens qu'on a fait. On va aller. Il y a plein de monde qui a des problèmes pour connaître comment pour utiliser Angry With avec Angry At. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui connaissent crime même sur ça. Vidéo, ça va être utile. Non seulement connaître comment pour prononcer mot yo et comment pour utiliser yo when you are speaking English, là parler anglais. OK. So this is angry. OK, you say n n gri gri, not gri, you say angry. Oh, I'm angry. Angry signifie fâché. Et c'est même lui même qui là, the same word, même mot. So différence, c'est que l'aime dit angry with avec l'aime dit angry at. Bon, c'est pas là moun yo souvent yon problème avec. C'est lorsque yon utilise la phrase. So, what is the correct sentence? Are you angry with me or are you angry at me? Qui phrase qui plus correct là selon ou même? Est-ce que c'est are you angry with me? Hein? Est-ce que ou fâché avec? Parce que angry des deux côtés, il signifie fâché. With, avec. Fâché avec. Fâché avec. OK? Fâché à. De préférence, m'a dit fâché à. Fâché à. L'aime dit angry with me. Fâché avec. Et l'aime dit angry at me. Fâché avec. Est-ce qu'on fâché avec? Donc, dans une phrase, qui ça ou pensez qui correct? Are you angry with me? Or are you angry at me? Est-ce que c'est are you angry with me en qui bon? Ou bien are you angry at me en qui bon? Fais-moi connaître qui ça qui bon dans les commentaires là. But don't worry, if you don't know, I'm here to teach you, to help you. Pas inquiète parce que je suis là pour m'aider, pour m'enseigner ça, comment pour utiliser. So you say angry with me or angry with when referring to living thing. Like, an animal or person. Qui ça me dit là? Ou utiliser angry with, l'on fait référence avec bagay qui animé. Ça veut dire ça qui gagne vie là-dedans. Par exemple, personne ou bien animal. On dit living thing. Ça qui gagne vie là-dedans. OK? For example, I am so angry with my best friend, I can't believe she would lie to me. Qui sont remarqués là? Moi, utiliser best friend. Bon ami m'nan ou bien ménage, moi. Best friend, bon ami m'nan son personne. Donc, moi, utiliser angry with. Ouais? Moi, utiliser angry with. Quand on parle d'une personne, on baray qui gen vie là-dedans, une personne ou bien un animal, ou utiliser angry with pour parler de fâché. Par exemple, phrase ça veut dire, moi, vraiment fâché avec mon ami m'nan. Mon pata pa kwè que li ban menti. Pa ka kwè que li ta ban menti. OK, c'est ça phrase là dit. Donc angry with la marcher avec living thing, ça qui animé, ça qui gen vie. A second example with angry with, he was so angry with his girlfriend for cheating on him. He was so angry with his girlfriend for cheating on him. Phrase ça signifie li te vraiment. Ça veut dire qu'a utilisé angry ya au passé, phrase là au passé. I'm going to talk about that after. He says he was so angry with his girlfriend for cheating on him. Monsieur dit que partenaire était tellement fâché, li vraiment fâché sous ménage li ya à cause ménage li ya trompé. OK? Donc deux phrases ça que m'ba ou là. And both sentences, you can see here talking about girlfriend. Girlfriend. Et puis, moi, utiliser angry with. Donc, moi, utiliser angry with pour me parler de living thing. Ça qui anime. Ça qui gagne la vie. What about angry at? Angry at is used when referring to non-living thing. Like a car, a door, a window, etc. Donc, ou utiliser angry at là lorsqu'on parle de bagay qui non animé, qui pa gen la vie. Par exemple, si m'a parlé de yon voiture, m'a parlé de yon fenêtre,
m'a parlé de yon porte, donc m'a dit moins fâché sous porte là. Mais là on dit moins fâché sous ça qui gagne la vie sous monde son chien. Et ben on dit angry with, mais là on dit me fâché sous machine là parce qu'il il pas vle bagaille, il pas vle fonctionner ou utiliser angry at pour non living thing ou des choses non animées. Great. The first example for angry at: my door couldn't open as quickly as I want. I was angry at it. Qui sa phrase a dit? Porte moi pas capable ouvrir aussi rapide que m'te vle. M'te fâché sous porte là. On l'aime dit m'te fâché. I was angry at it. It l'a remplacé porte là. M'te fâché sous porte là. So, what do you see? When I say I was angry or using angry, I say angry at because I'm talking about a door. Qui ça nous remarqué? Le fait que m'a parlé de angry at, m'a utilisé porte pour moi parler de angry at parce que angry at supposé utiliser avec non-living thing, avec des choses non animées. You are clear. A second example, un deuxième exemple, I am very angry at how rainy it is. Moi vraiment fâché pour Jean la fait la pluie. Pour Jean la pluie a tombé. Vraiment fâché pour être ça. Donc qui s'en remarqué? They say angry at and talking about rain. Lorsqu'il a parlé de la pluie pas gain vie même j'ai avec nous-mêmes. Donc, on dit angry at when talking about a non-living thing like Wayne. OK, good. Maintenant, ou bien comprendre qu'on y a, you know how to use angry with when talking about living thing like person or animal. And you say angry at when talking about non-living things or referring to non-living things like a door, a car, a window, etc. To finish, pour me finir avec nous, aujourd'hui, dans la classe aujourd'hui, angry is an adjective. Both angry, c'est même mot. L'on a utilisé ou supposé utiliser avec le verbe to be. OK? To be. Vous devez utiliser avec le verbe to be. Si m'a dit moins fâché, ou dit I am angry. Moins t'es fâché, I was angry. OK? Moi fâché, I am angry. Ou fâché, you are angry. Li fâché, he is angry. Yo fâché, they are angry. Donc c'est avec auxiliaire to be ou toujours utiliser adjectif angry. De même pour tout adjectif en anglais, c'est auxiliaire to be que vous utilisez pour dire ou capable conjuguer. Like beautiful, quel que soit adjectif là, ou utilisez le verbe to be pour capable conjuguer. Songez ou utilisez le verbe to be devant adjectif. Yo. Happy, angry, ok? Pour utiliser adjectif ça, il faut utiliser le verbe to be devant yo. Ok, great. Thank you for watching the video. Let me know in the comment below if everything is clear for you. Write down below and like and share the video. I'm working for you. Let me know whenever you have any problem. Let me know. Write me so that I can come with new videos for you to help you. I'm working for you. Love you so much and catch you in a better video. My name is Daniel.